L'île d'Elbe. Ce voilier, Jean-Yves Lepage l'a construit de ses propres mains. En janvier 2023, il part pour sa 14e expédition, sa dernière. Toute expédition en Antarctique s'inscrit dans le sillage de celle de Jean-Baptiste Charcot. Deux époques, deux marins et des équipages sur une même terre. 8 semaines d'immersion, au milieu des glaces, accompagnés de 6 aventuriers passionnés. Ils sont désireux de partager leur aventure, notamment auprès des 16 000 scolaires qui les accompagnent grâce à Témoins d'Épaule. Traenos la libertad, viento que viene del mar, viento, traenos la libertad.